Et je reviens enfin pour une nouvelle vidéo pour un tuto make-up. Donc le tuto du make-up que je porte actuellement, voilà. Donc on m'avait demandé de faire un make-up avec du doré et la Naked 2. Donc vous l'aurez compris, ce make-up est exclusivement fait avec la Naked 2. J'espère que ça va vous plaire. Si ce tuto vous plaît, restez connectés. J'ai mis ma base à paupières. Donc du coup, je vais venir prendre ma palette Naked. Un pinceau, bien sûr, hein, de préférence. Hein, parce que sinon, on est un peu dans le caca. Donc, alors vous pouvez voir déjà que j'ai énormément creusé celui-ci. Hein, et je crois que je vais essayer de me trouver un mono. Donc, je vais venir prendre celui-là. Qui est un fard assez doré. Donc je vais venir le mettre en très bonne question, en quoi? En base mobile, paupière mobile, base mobile. Ouais, faut vraiment que j'arrête mes conneries, moi. Essaye de faire un peu le creux de paupière quand même, voilà. On va faire pareil de l'autre côté, du coup, ce serait préférable d'ailleurs. Vous m'avez rien dit, j'étais hors champ normal. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre ce pinceau-là avec cette couleur-là, le Bouticole, c'est ça, hein? Ouais. Alors celui-là, ce fard à paupières, comme vous avez vu, il est super creusé, il est super creusé, il est presque, non presque plus, parce que j'adore le prendre comme touche lumière. Et franchement, je trouve qu'il va super bien. Et voilà, alors je peux tout le temps maquiller, alors je viens toujours le chercher celui-là, dans cette palette-là, même si je me maquille avec une autre palette, c'est vrai que j'ai souvent tendance à le prendre, venir le prendre ici, parce que j'adore vraiment le rendu, je trouve que c'est vraiment mon indispensable pour mes yeux. Donc je fais ma touche lumière, je descends bien, hein, ça ne me dérange pas, voilà. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre mon pinceau que franchement j'ai redécouvert et que j'adore. C'est celui-ci. C'est celui de chez Sephora, le creux de paupière numéro 13. Alors, je vais venir prendre le tease. Donc, celui-là. Voilà. Et comme dit, je vais venir faire le creux de paupière. Alors, je pense aussi que, voilà, cette palette-là, la Naked 2, comme la Naked 1, sont vraiment des palettes indispensables. Bon, moi, j'ai une petite préférence pour la Naked 2. Je trouve plus de make-up à faire. Bon, c'est vrai que je l'ai repris en main. Enfin, voilà, j'avais laissé longtemps de côté. Et voilà, je l'ai reprise en main. Et j'ai souvent des idées de make-up avec. Et franchement, je pense que ça va être mon indispensable de l'été. Un de mes indispensables. Parce qu'on a vraiment tout ce qu'on veut comme cou. Enfin. Tout ce qu'on veut, non, mais je trouve qu'on peut faire énormément de choses. On peut très bien faire des trucs assez neutres. On peut faire des trucs quand même assez chargés avec le noir. On peut faire des smokies. On peut faire des trucs un peu plus soft. Voilà, tout dépend de notre état d'humeur, j'ai envie de dire, du moment. Et voilà, et on fait de ravissantes petites choses.
Donc là, je travaille mon creux de paupière. Hein. Alors j'adore ce pinceau, je trouve que voilà, on n'a pas besoin de passer 36 000 fois, même si je suis en train de le faire. Et vous dites-moi, c'est quoi vos indispensables make-up, enfin vos indispensables pour l'été, même si je vais faire une vidéo après sur ça. Est-ce que vous avez un produit que qui pour vous, un produit qui soit vraiment indispensable? Moi, c'est pas un produit que j'aime, mais des produits. Je sens que la vidéo va durer 150 heures. Or, c'est un make-up qu'on peut faire assez rapidement aussi, hein, parce que je vous avoue que moi, sur le teint, je pense pas que je vais mettre grand-chose, vu que voilà, j'ai pris des couleurs et que voilà, j'ai pas envie, j'ai vraiment, je vous dis honnêtement, j'ai vraiment pas envie de me mettre du fond de teint. Voilà, il fait super beau, je sais que je vais transpirer, que je vais transpirer, qu'à un certain moment je vais me frotter le visage et que j'en avoir partout sur les mains et que c'est assez désagréable. Donc voilà. Donc ensuite, pour moi, voilà, je ne conçois pas mon make-up sans treadliner, vous le savez très bien. Donc je vais prendre mon treadliner. Je vais le faire hors caméra parce que parfois ça peut durer longtemps. Et vous savez comment faire un trait de liner. Énorme bisous et je vous dis à très vite. Bye!